Salut à tous, c'est Alephi507. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur GTA. Donc vous l'avez sûrement déjà vu, j'en ai fait une avec un pote que j'ai niqué avec ma dague antique. Donc là, du coup, je vais vous montrer un peu mon garage et je vais vous montrer comment on joue bien. Donc c'est parti. Donc moi, j'habite à l'Alta Street. C'est un garage qui a 10 places et après, il faut aussi visiter mon appart. Donc tous mes véhicules, je les ai custom. Donc ça, je vais vous montrer les caractéristiques. La Pegasus Infernus, pas mal. La Dinka Akuma, elle est assez bien celle-là. Elle est assez rapide quand même. Le Hot Rod Blazer. Alors ça, c'est un espèce de quad, un swaggy, on va dire. Le Sand King XL, donc c'est la version améliorée du Sand King normal. Il est trop bien, c'est un putain de 4x4. Alors ça, c'est ma Bifta. La Bifta, j'ai juste de la voir, donc j'ai pas encore le temps de la customiser. Je vais faire ça après, d'ailleurs, je vais vous montrer. Ça, c'est ma Zentorno, c'est la meilleure voiture du jeu. Elle va très vite et une très bonne accélération. La Turismo R, elle est aussi pas mal. Elle va très vite. La Z-Chip, elle est hyper bien. Elle est ultra pratique, surtout. Et enfin, la Carbon RS. Donc, c'est une moto que j'ai un peu custom aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est l'emblème de mon crew. Je suis dans la French Talk, la FCTO. Et enfin, ça, c'est la Innovation. Donc, c'est la dernière moto que j'ai achetée. Maintenant, je vais vous montrer un peu mon appart. Donc là, vous voyez quand même, c'est assez luxueux. Donc là, on va rentrer chez moi. Donc là, voici mon chez moi. Donc ici, je sais pas si on peut entrer. Donc là, c'est mon salon de jeux vidéo. Je joue avec mon imprimante, je joue avec mes ordi. Poseil. Ensuite, là, c'est mon salon. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut se droguer carrément. Regardez. J'aime boire une petite vodka, allez. Wow. Non, ça c'est plutôt du whisky. Je crois qu'il me savait déjà. Donc du coup, on peut boire du whisky comme vous venez de le voir. On va arrêter de boire, hein. Ouais, c'est pas moi, le copain à santé. Ensuite, là, on peut boire du vin. Et enfin, ici, un jus de fruits. Ensuite, il y a une chose que j'aime bien dans ce jeu, c'est que genre, il y a une longue vue. Et donc, quand tu veux préparer un crime, par exemple, tu te dis, alors, je vais regarder là-bas les sécurités qu'il y a. Par exemple, là, il y a une espèce de flambeau. Là, il y a l'hôtel devant chez moi. Bref. On peut aussi regarder la télé, mais je vais pas le faire, parce qu'à la télé, il n'y a pas de grande chose. Donc, du coup, là, je vais descendre en bas. Là du coup c'est ma chambre. Donc si j'en ai envie je peux dormir, hein. Ce jeu est pratique parce qu'il est assez réaliste. Par contre j'ai jamais vu quelqu'un qui dormait avec une combinaison d'aviateur, hein. Donc là on va se lever parce qu'on n'a pas que ça à foutre de dormir, hein. Ensuite là de ce côté il y a ma salle de bain, donc si je prends une douche, on va éviter pour les filles qui regardent ça, ce serait pas très esthétique, hein. Et enfin, là, il y a ma garde-robe. Donc là, franchement, je vais changer de tenue. Non. Là, je suis classe, hein. La tenue, c'est déjà des trucs tout faits. Là, on dirait pas Ganmin dans Far Cry. Désolé, vous avez peut-être pas vu les vidéos, hein. Mais je vais plutôt mettre celle-là, les dents longues. Bref. Maintenant, on va se mettre un chapeau, classe, hein. Donc, dans l'inventaire, les accessoires, ça, c'est hyper moche. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça un jour. Si tu faisais chier. Voilà, celles-là, elles sont assez bien comme lunettes. Et comme chapeau. Non. Ah ouais, ça, c'est classe, ça. Là, on est au top du rythme, quoi. Bref. Wow. On va sortir de chez moi, maintenant, on a assez vu. Je pense qu'on va prendre la Zentorno, je vais vous montrer un peu la vitesse. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Zentorno c'est la meilleure voiture du jeu. Avec aussi la Infernus qui est là. On va passer sur le côté. Ma Zentorno c'est celle-là. Après c'est pas ma belle Zentorno, j'en ai une qui est encore plus belle, noire et rouge. Mais j'ai pas voulu la montrer dans cette vidéo, vous la verrez sûrement dans une de mes autres vidéos. Donc on va la tester un peu, voir sa vitesse.
essayer de la pousser à fond. Donc on va aller à... comment ça s'appelle ? On va aller à l'aéroport et je vais vous montrer la conduite d'un avion. On va le commander déjà l'avion. Donc cette fois-ci c'est pratique, au lieu de commander les véhicules sur internet ou des trucs comme ça, une fois qu'on les a achetés sur internet, après on appelle juste le Pegasus et les véhicules, il faut juste payer 200 euros pour les avoir. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Donc là, on va essayer de prendre un... Je vais vous monter le best-up. Thank you, sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. Après, je vais vous montrer aussi ça. Je suis assez fortuné, hein, j'ai 1 million. Donc j'ai largement le de quoi faire. Hein. Donc la Zentorm a une très bonne accélération et une vitesse maxi assez élevée. Donc là non, on va passer par là parce que l'entrée elle est là. On va juste enlever le point. Par contre, il y a un truc de dommage à quoi j'avais pas pensé. C'est que pour prendre mon avion qui le baissera, donc c'est un espèce d'avion de chasse, il va falloir détruire ma voiture ou sinon elle va rester ici. Donc, eh ben, on est obligé de mettre une bombe collante. Hein. Malheureusement. Et du coup, je vais d'abord décoller. Comme ça, moi et la police, je l'aurai pas. Donc, le baissera, il va très vite pour décoller. Hein. Vous voyez si je vais décoller comme ça. Maintenant, eh bien, je vais vous montrer la scène de monde qui explose. Je précise, si quelqu'un va avoir GTA, évitez d'exploser les véhicules à vos ennemis. Donc là, j'ai explosé, par contre, je ne sais pas du tout où il était. Ah, oui, elle était en dessous, c'est ça. Bon, maintenant, on va aller visiter un peu le désert. Et comme j'ai la police, on va en profiter pour vous montrer un nouveau contact pour moi. Il s'appelle Lester. Donc Lester, lui, il sert à beaucoup de choses, mais il faut avoir du level. What can I help you with? Il faut une prime sur un des joueurs. Donc c'est-à-dire après, il sera recherché. Je peux aussi mettre la police sur mes yeux, c'est-à-dire si je veux commettre un délit, je mets ça et je ne serai même pas recherché. Je peux localiser une voiture. C'est une voiture un peu gratuite que j'aurai, je ne l'aurai pas. Et celle qu'on va faire est face à notre petite recherche. Can't handle the heat, my friend. Okay. Ça, leave it with creepy Uncle Lester. Les policiers ne nous recherchent plus. On va avoir 5 étoiles, on met ça, il n'y a plus de policiers. Donc on va aller atterrir à l'aéroport de Trevor. Et je vais vous montrer la maison que j'ai là-bas. Donc d'abord, on va atterrir un peu à l'aéroport. Dans une autre début de vidéo, je vous montrerai un saut en parachute, mais ça sera plus tard. Donc, vous voyez, moi j'ai un parachute, hein. Mais là, c'est plutôt atterri. C'est aussi pour vous montrer un peu comme ça dit ici. Vous voyez, la piste d'atterrissage est là-bas. Il faudra bien se mettre dans les. Après, j'en fiche un peu, le Bistra il peut un peu atterrir de partout. Mais bon. Et voilà. Ouais. Voilà, on a atterri. Bah, après, vous voyez, là dans le désert, on trouve souvent ces avions-là avec des hélices. Bah tiens d'ailleurs, puisqu'on est là, je vais vous montrer l'attaque de gang. Bon. L'attaque de gang a commencé. Donc du coup, alors tuer tous les ennemis que vous voyez là-bas sur le radar. Là j'ai plusieurs armes aussi. Oh, ma mitraillette un peu. S'en fiche, ils sont pas morts des fois.
Bon, qu'ils sont à terre, ça suffit. Après, là, c'est relativement dur parce que je suis tout seul à le faire. Marron, du coup, ils ont ajouté un truc pas mal dans GTA, c'est la visée automatique. Sinon, on va tester un plus sniper. Bon, on va les finir avec notre roquette. Hein. Excusez-moi, j'ai raté mon tir. Bon, d'ailleurs, je vous montre aussi ce que c'est que ça. C'est ce qu'on appelle plus généralement du C4. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'un seul ennemi qui est là. Là, vous voyez mon perso. Et comme vous le voyez, j'ai terminé. Et j'ai eu un trophée. Je suis grade 23. Maintenant, j'ai rapidement vous montrer les effets du lance-roquette. Pourquoi pas. J'ai détruit cet avion. Voilà. Maintenant, j'allais vous montrer ma deuxième planque qui est pas loin. Et cette vidéo se terminera. Avec le cargo bob, on peut le faire sonner qu'à partir du niveau 23, le niveau où je suis. Et aussi, on peut déployer un treuil et prendre des voitures. Par exemple, si on a un ami qui a une voiture et qui ne veut pas la perdre, et ben on prend sa voiture avec le treuil. Moi, je suis pas vraiment très fort, je vais pas essayer de vous montrer. Sinon, je risque de mourir. Bah, tiens, d'ailleurs, puisqu'on est là, un saut en parachute. Mais d'abord, on peut faire ça quand on déploie le parachute. Et à la fin des fois, quand on est des gros salons, on fait ça. Aïe. Donc là, vous voyez, c'est ma deuxième maison. Donc on achète des dynasties. C'est pratique. Donc vous voyez, j'ai une femme de ménage. Je savais même pas que j'en avais une. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, elle a fait du bon boulot. Vous voyez là, moi c'est très basique ce qu'il y a chez moi. Hein. Même un peu moche. Bah, ça sort un peu. Hein. Pourquoi pas regarder la télé? Ça fait pitié. Bon, d'accord, hein. On a compris. Donc là, on va passer sur les caméras de surveillance. Oui, là, c'est l'intérieur du garage. Donc là, vous voyez, j'ai deux véhicules. Et enfin, on va repasser sur la télé. Bon, c'est bon, on va y aller. Hein. Ça, c'est ma vieille maison. Je vous montrerai rapidement mon garage. Ce gars, j'ai plus la poussière là. On se demande ce qu'a fait la femme de ménage dedans. Oui, ça c'est mon vélo. Bon, eh bien, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Et rappelez-vous une chose, les explosions C4, c'est de la bombe.